Warning, this film and its soundtrack are protected by the international copyright law of the Federal Republic of Nigeria. Unauthorized hiring, reproduction, exhibiting, broadcasting and exportation of this home video is highly prohibited. Be warned. Bienvenue. Merci, Votre Majesté. Alors, ta fille, tu n'es pas venue avec elle aujourd'hui? Non, Votre Majesté, elle sera là demain. Ok, ok, ça c'est bien. S'il te plaît, continue avec le bon travail que tu fais. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, j'aimerais que vous me promettiez une chose. Promettez que vous allez vous porter bien. Vous allez vous porter bien pour moi et pour le village entier, Votre Majesté. J'irai bien, Odoego. J'irai bien, je te promets. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, laissez-moi jouer pour vous. Laissez-moi vous divertir. Ok, vas-y. Merci, Votre Majesté. Tu sais, j'aime beaucoup écouter ta voix angélique. C'est un honneur pour moi, Votre Majesté. Bialuwa nobuku boyanaka Onye sibite ya butu ya noku Makogele kwako mbwegu mugebido Nokwa chimoku Igwa badani okwa chimoku Nokwa chimoku Igwa badani okwa chimoku Okwa chimoku Igwe ni gadia, igwe bodanya sim ni gadia. Igwe ni gadia, pekem ya, awa monoba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, yo. Igwe ni gadia, igwe bodanya sim ni gadia. Igwe ni gadia, pekem ya, awa oba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, yo. Thank you.
tu as fini? Ouais, mon prince. Okay. Le roi s'est endormi. Mon prince, oui. Je conseillerais que vous lui donniez ces médicaments lorsqu'il se sera réveillé. Et il doit être nourri proprement. Oh, je crois qu'il y a un chef des employés par qui tu es censé passer pour prodiguer conseil. Pas moi. Oui, mon prince. Ok, une photo. A plus alors, mon prince. Ah, papa, tu es de retour? Ouais, je t'attendais au palais. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je n'étais pas rentrée si vite après le marché. Et à mon arrivée, rien n'était encore prêt. Mmh. Alors, je devais me rassurer avant de sortir. Ok. Le roi s'est endormi. Donc, ce sera demain. Ok. Mais cette fois-ci, c'est ton tour. D'accord, papa. Je t'apporte ta nourriture. D'accord. Papa, t'inquiète, je vais le faire moi-même. Okay. Approche. Viens. Es-tu stupide? Pourquoi as-tu mis du temps pour m'ouvrir le portail? Tu n'avais pas entendu le klaxon? Pardonnez-moi, madame. Tu es viré. Bâtard. Fou. Yo, ma coque le quaco, mbeku mugebida, naokwachi moku, ibuabadani, okwachi moku, naokwachi moku, ikuabadani, okwachi moku, okwachi moku, igweni Mon roi. Pendant combien de temps me suis-je endormi? Mon roi, je ne sais vraiment pas. À mon arrivée, je vous ai trouvé en train de dormir. Alors je m'étais décidé de vous réveiller. Comment va ton père? Il va bien. D'ailleurs, il vous envoie ses salutations. Je t'en prie. Allez, mon roi. Vous me faites toujours sentir comme si j'étais une étrangère. J'appartiens à ces palais. Oui, ma chère, tu appartiens à ces palais. Alors, dites-moi, je n'ai pas vu le prince. Est-ce qu'il est là? Mmh. Le prince. Mon roi. Allez bien. Mon roi. S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau. Garde! Servante! Garde! Mon roi. Garde! Désolé. Garde!
Servante? Servante! Mon roi? Mon roi? Il sent Dieu aussi. Mon roi? C'est très douloureux. Mon prince, soyez fort. Désolé. Mon prince, sois fort. Est-ce qu'ils sont là? Le pire est arrivé. Va-t'en. Est-ce qu'ils sont là? Hein? Où est-il? Il n'y a personne qui peut me répondre. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Il a voyagé? Hein? Ekuwa wuli, ekuwa ma, nyaka.
suis bien. Oh, je suis tellement fier de toi, ma chère. Tu as tellement beaucoup appris auprès de ton père. Merci beaucoup, mon roi. Je suis content de votre appréciation. Pour la première fois, j'ai aimé ta voix plus que celle de ton père. Tu es tellement talentueuse et je suis content pour ça. Tu sais, parfois, j'aurais voulu que tu sois promis à mon fils. Hey, mon fils. Mon prince. Salut, comment vas-tu? S'il te plaît, mets-toi. Et apprécie cette voix angélique et cette musique douce. D'accord. Mais ce n'est pas son père qui venait jouer pour toi ici. Oui, mais il a réussi à lui apprendre aussi. Et elle performe mieux que son père. Ça c'est bien, c'est bien. Mais je ne suis pas d'humeur pour écouter de la musique maintenant. J'aimerais monter dans ma chambre et me reposer un peu. Igwe ni gadia,
Mon prince, je dois te l'avouer, tu es exceptionnel. Tu es vraiment talentueuse. Et tu m'as vraiment rendu heureux aujourd'hui. Le plaisir est le mien, mon prince. Et je suis contente que vous ayez apprécié. Oh oui, j'ai été fasciné. Et je suis toujours très heureux. J'espère te voir plus souvent dans le palais. Bien sûr, mon prince. Je serai toujours à votre service. Ma vie est pour vous faire plaisir. Ça va, ok? Tu peux partir, d'accord? Ok, mon prince. Prends soin de toi, ma chère. Merci. D'accord, mon prince. Mon roi, mon prince. Oh, mon père a voyagé à Enugu pour un programme. Il va revenir demain. Désolé pour mon retard. Je ne me sentais pas vraiment très bien. Oh, tu es malade. Tu aurais dû envoyer un message que tu ne seras pas en mesure de venir. Mon roi, pas lorsque vous avez besoin de moi. Je sais que quand vous le faites, vous avez réellement besoin de moi. Mon roi, je ne sais pas ce qui vous dérange, mais peu importe ce que c'est, la musique peut bien le finir. Ça peut très bien l'enlever, si seulement vous le désirez. Fermez juste vos yeux. Libérez vos pensées et laissez que la musique pénètre votre tête. Ah, merci mon prince. Thank you.
this small, but very big for everybody. This world is small, but very big for everybody to live. Kuchi kuchi nama, namu namu. Tu sais, tu dois vraiment faire l'effort de te calmer. Je n'avais jamais su que son état était aussi critique et que tu n'avais pas conduit à l'hôpital. Mais à quoi servent tous ces gardes ainsi que le servante? Je m'étais mise à crier comme une folle pour qu'ils apportent un verre d'eau. Mais tu imagines cela? C'est très mauvais. Quoi? Tu veux dire que mon père a exigé un verre d'eau avant de mourir? Oui, il l'avait demandé. J'étais là avec lui quand il avait commencé à tousser. Et j'avais commencé à crier, à les appeler, et ces pauvres idiots ne se sont pas portés. Il a exigé un verre d'eau et tu ne lui as pas donné, c'est ça? Je ne crois pas, je ne me rappelle pas que... Je veux dire, ici c'est pas chez moi, en plus c'est pas de mon devoir de lui donner. Jésus-Christ, qu'est-ce que tu viens de dire? Sors. Quoi? Sors d'ici. Mais tu dois quitter maintenant. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Il m'avait demandé. Tu dois quitter maintenant. Sors, sors, sors. Ça va. Jésus-Christ. Qui est cette fille? Oh mon Dieu. La mort. La mort, tu es méchant et cruel.
tu es très cruel. Le seul gentilhomme dans ce village. Le seul homme de bon cœur dans ce village. La mort. La mort, tu es méchant et cruel. Papa, s'il te plaît, calme-toi, je t'en prie. Hein? Il y a aussi des gens bons qui sont tout autour. Où sont-ils? Qui sont-ils? Montre-moi un parmi eux. Montre-moi un homme qui est bon parmi les gens de ce village. Je sais comment vient se faire l'humiliation et le rejet dans ce village, même des gens que j'aime. C'était seul ce roi, le roi Stanley, qui a vu la douleur dans mon cœur et m'a aidé. Il était vraiment un homme bon. Sa mort est vraiment restée un choc pour moi. Toutefois, seul Dieu sait. J'ai supplié Dieu de ne pas tuer cet homme. J'ai supplié Dieu de ne pas laisser cet homme mourir. J'ai même dit à Dieu de prendre ma vie au lieu de celle du roi. Mais Dieu ne m'a pas écouté. La mort est méchante et cruelle. Papa, arrête-moi ça, oh. Pourquoi pouvais-tu dire ça à Dieu? Voulais-tu que je reste ici toute seule? Hein? J'allais rester avec qui? Seul Dieu sait pourquoi est-ce que tout ceci est arrivé. S'il te plaît, arrête de désespérer, s'il te plaît. C'est pénible. Doucement, papa, s'il te plaît. Doucement. Ou encore l'espoir. Je t'en prie, papa, s'il te plaît. Ou encore l'espoir. Arrête ça, je t'en prie. Il n'y a plus de l'espoir. Peux-tu vraiment que je reste toute seule? Il n'y a plus de l'espoir. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il n'y a de l'espoir nulle part. Salut mon prince. Mon prince, votre nourriture est servie. Je n'ai pas faim, s'il te plaît. Mais mon prince, on n'avait rien mangé depuis hier. Je vous en prie, essayez de manger quelque chose. C'est parce que je n'ai pas faim. Alors dégagez. Désolé. J'espère que les anciens seront là très bientôt pour te couronner roi de ce royaume. Moi? Je ne suis pas intéressé. Je ne comprends pas. C'est une blague, ça? Kima, mon père signifie tout pour moi. Mais la mort me l'a enlevé. Elle me l'a enlevé sans un mot. En l'état actuel des choses, je ne suis pas prêt pour le trône. Alors, comment vais-je pouvoir m'asseoir sur le trône si je n'y suis pas préparé? Mon prince. Vaut mieux que quelqu'un d'autre soit intéressé, parce qu'en ce moment, je ne suis pas intéressé. Mon prince, ton père est mort pour que tu le succèdes. Il est mort pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est mort pour moi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort sans me dire un mot. Comment? Il ne m'a pas dit au revoir.
Tu sais, ce qui me fait mal le plus est que ma soi-disant fiancée était là quand mon père mourait. Et elle ne pouvait pas lui donner un verre d'eau. Quoi? Tu veux dire que la princesse était là quand ton père était en train de mourir, sans même l'aider? Je suis déçu, mon frère. Je suis complètement confus. Comment tu vas? Non, rien ne va bien, oh. Qu'y a-t-il? Ça concerne le prince. Il m'a dit qu'il ne montera pas sur le trône de son père. Quoi? Est-ce une blague ou quoi? Il est sérieux, oh. Même moi, je l'ai vu. Hey! Osiyon Maranubas. Hey! Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est le prince. Qu'est-ce qui t'est arrivé il au prince? Il dit qu'il ne prendrait pas le trône de son père. Ah. Pourquoi? Parce qu'il est toujours choqué par la mort soudaine de son père. Hey! Alors, papa, qu'allons-nous faire maintenant? Je pense qu'il faut au prince une bonne musique pour lui remonter le moral. Alors, Tim, tu peux t'en aller. On sera bientôt au palais. Apporte-moi la guitare. On va se rendre au palais. D'accord, papa. Hey! Aussi, j'en marre à la basse. Bien, ne penses-tu pas que il est temps pour toi d'être avec le prince maintenant que son père n'est plus? Maman, es-tu sérieuse? Maman, tu veux que j'aille auprès d'un homme qui croit fermement que j'ai tué son père? Tu sais que tu n'es pas une meurtrière. Tu ne veux pas. C'est ce que je me demande. En fait, je me demande ce que j'aurais gagné en tuant son père. Obika, j'ai bizarrement ces derniers temps. Eh bien, tu ne peux pas en vouloir à l'attitude d'un homme qui vient juste de perdre son père. Il est certainement frustré. Maman, ça m'est égal. Maman, il peut être frustré, énervé ou hypnotisé. C'est pas mon problème. Je m'en contrefiche. Mon enfant, je crois qu'il est temps pour toi de mettre de côté toutes ces importances que tu donnes à ta personne et d'être avec lui. Il a besoin de toi. Mais j'avais cru qu'il avait dit qu'on devait se voir avec Ono. Je t'en prie, maman, pouvons-nous mettre fin à cette discussion et continuer notre balade? Bien, je suis contente de m'acquitter de mon devoir. Si c'est la bonne chose à faire pour toi. Merci, maman. Alors, cherche comment le voir, d'accord? Ok. Mon prince. Mon prince. Je ne vous ai pas demandé. Je sais, mon prince. J'ai jugé bon de venir vous rendre visite. J'espère que vous ne pleurez pas trop. J'espère que vous ne pensez pas trop. Que pensez-vous d'un homme qui vient de perdre son héros, qui signifie tout pour son existence? Des larmes. Mon prince, votre père, notre roi, était si important pour moi. C'est pourquoi lorsque j'ai appris sa mort, j'ai beaucoup pleuré. Alors nous sommes venus pour vous consoler à notre petite manière. J'espère
que ça vous a duré beaucoup. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, rendez-moi heureux. Je... Libérez mon esprit. Libérez-moi. Je suis désolé, madame. Le roi nous a instruit de ne pas vous laisser entrer. Attends, est-ce une blague ou quoi? Je ne suis pas d'humeur à blaguer. Ouvre les portails. Je suis désolé, madame. Ce sont les ordres du roi. Attends que je l'appelle. Je suis d'accord avec lui. Il ne répond pas. Écoute, je suis la princesse. Alors j'ai pleinement le droit d'entrer dans toutes les parcelles qui se trouvent dans mon royaume. Ouvre le portail. Allez, mon cher ami. Vous faites quoi là? Reculez. Dégage là. Idiot. Ouvre le portail. Ouvre le portail. Mon cher ami, je dis ouvre le portail. Si tu osais, tu auras ça sur la tête. Reste là, mon ami, reste là. Ouvre ce portail.
Où est-il? Dégage de mon chemin! Écarte-toi! S'il vous plaît! Laisse-moi passer! S'il vous plaît, le prince nous a instruit de ne pas vous laisser entrer. Désolé, mon prince. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a subjugué. Ça va, ça va. Désolé. Tu peux partir. Que veux-tu? Obika, il t'était pour une chose. J'allais te donner une bonne gifle que tu n'as jamais reçue de ta chienne de vie. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé te dire à tes gardes de ne plus me laisser entrer dans cette maison et te voir? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas giflé? Je me répète encore une fois. Que veux-tu? C'est quoi cette question idiote? C'est depuis quand que tu as commencé avec ce genre de questions? Je suis venu te voir. Eh bien, je... Mais ce que j'essaie de comprendre, Obika, pourquoi as-tu donné l'ordre à tes vauriens de garde de ne plus me laisser entrer dans cette parcelle? Pourquoi? Eh bien, je crois que tu venais ici pour voir mon défunt père. Et maintenant, il est mort. Et je suis sûr que tu es au courant. Donc, je ne sais pas ce que tu fais dans ce palais. Je te demande pardon. Attends. Essayes-tu de dire que je venais dans ce palais pour voir ton père? Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Tu sais, c'est pas de ta faute. C'est mes parents que je condamne pour m'avoir forcé à faire partie de ta vie misérable. Je veux dire, tu ne m'intéresses même pas. Tu aurais dû arrêter depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu continues. Mon père est décédé. Peut-être tu n'es pas au courant. Il est mort. Maintenant, pourquoi permets-tu à tes parents de te pousser comme une petite fille, d'aller chercher un petit ami? Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'es qu'une misérable. Je ne vais pas rester planté là et te regarder en train de m'insulter. Je ne vais pas. Non. Papa, je m'inquiète pour le prince. Demande-moi. Va-t-il changer sa décision par rapport à son accession au trône? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma fille. J'espère que le chant que nous avons fredonné aurait de l'impact. Sa solitude me donne beaucoup de soucis. Papa, je m'inquiète parce que les servantes ont dit qu'ils ne mangent pas. J'ai vraiment pitié de lui. Ça fait vraiment mal. Croyons seulement qu'il changera et acceptera de devenir le roi. J'espère aussi, papa. Je le crois. J'espère que tout ira bien. Ce repas est délicieux. Mon prince, nous les membres du cabinet du roi avions eu une réunion il y a cela quelques jours. Nous pensons qu'il est temps de faire ce qui est juste. De faire la chose juste. Ce qui est de te couronner le prochain roi de notre terre. Et nous avons fixé une date qui est dans 4 jours. Notre prince, nous sommes désolés que cette information te parvient à l'improviste. Tu vois, nous ne pouvons plus attendre. Notre peuple attend pour s'assurer que la tradition de ce grand royaume est observée. C'est pour ça que nous sommes là. Eh bien, j'ai à vous remercier tous d'être venus. J'ai également entendu ce que vous avez dit.
Vous ne pensez pas que j'ai besoin de certains préparatifs afin d'être prêt pour la cérémonie? J'ai promis d'accéder au trône de mes ancêtres et prendre la responsabilité des choses que mon père a laissées derrière, de vous servir avec la dignité et avec l'honneur. Mon prince, nous sommes très fiers de vous. DJ, ouais. Je pense que vous pouvez déjà commencer avec les suggestions. Mais ce gars est très beau. J'espère que tu le sais. Et après quoi? Bien, il peut être beau et charmant. Mais moi aussi, je suis jolie. Je suis le rêve de tous les hommes, et tu le sais. Alors arrête de faire comme s'il était très spécial. Écoute-moi très bien, ma chérie. S'il te plaît, qui t'épouse seulement? Qui l'épouse qui? Celui-là? Je ne vais jamais accepter de me marier à ces pauvres aliénés. Quelqu'un qui ne m'appelle même pas au téléphone pour savoir comment je vais, je ne le ferai pas. Tu sais, des fois, je regrette amèrement d'avoir écouté le conseil de mes parents. Ma chère, tu n'as pas de choix. Mais tu as déjà fiancé. Je comprends maintenant d'où vient le problème. C'est le mot fiancé. Tu sais quoi? Je crois que j'ai déjà reçu ma dose d'insultes venant de lui. Et je ne vais pas en recevoir plus. Mais pourquoi je m'étais donné la peine de vous écouter en premier lieu? Ah, j'ai déjà pris ma décision, je t'en prie. Laisse-moi ma tranquille. Chère, s'il te plaît, gère-les calmement. Je t'en prie. Ce garçon est beau. Et toute fille aimerait très bien sortir avec lui. Il est le prince. C'est quoi ton problème? Très grand royaume. Mais tu as arrêté? Arrête ça, s'il te plaît. J'en ai ras le cul d'écouter Obika par-ci, Obika par-là. Vous faites comme s'il était spécial. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ces gars? Calme-toi. J'ai pas envie de me calmer, arrête. Calme-toi. C'est quoi au juste? Obika prince, Obika roi. C'est fini, calme-toi. Laissez-moi respirer. Calme-toi. Excuse-moi. Excuse acceptée. Sinon, je la ferme. Ma chérie. Comment pouvez-vous faire une telle erreur? Pourquoi? Pourquoi vous étiez allé faire une telle prononciation pour le nommer roi? Quand nous connaissons tous la tradition. Vous savez tous qu'il n'est pas encore marié? Maintenant, le couronnement, c'est dans 3 jours. Qu'allons-nous faire? Onowu, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Exactement. Tu vois, le trône ne peut pas rester vacant. Et tu n'étais pas là. C'est pas ça la réponse à ma question. Il sort en éjecté. Cherchons une solution, s'il te plaît. Écoutez, Onowu, quelle est la solution maintenant? Mais je ne t'ai pas vu ces 2 jours. Ouais, j'ai été mordu par un scorpion. Et ma fille prenait soin de moi. Oh, je suis désolé pour ça. Toutes mes excuses. Non, ça va. Je suis désolé pour ça. Mais la morsure de scorpion est très douloureuse. Waouh. Ouais. Je suis désolé. Comment vas-tu maintenant? Mon roi, je vais bien. Tu vas bien. Tu es sûr? Je suis content que vous avez finalement pris l'héritage de votre père. Hein? Les dieux de nos ancêtres vous donneront de la sagesse pour bien diriger notre peuple. Amen. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Mon roi, j'ai composé un nouveau chant cet après-midi. Et je me suis dit que vous serez le premier à l'écouter. Oh, même allez. Ça, tu vois l'état embryonnaire. Fais-moi l'état embryonnaire. Chante ça, je vais voir. Donne-moi ça, je vais écouter. Igobika. Hey, Nebebe. Amana. Que fais-tu ici? Aïe! Hein? Que fais-tu ici? Ah. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est pourquoi tu m'as giflé? Chide, je t'ai interdit beaucoup de fois.
de ne pas venir chez mon père. Ne viens plus dans cette parcelle. M'as-tu entendu? Oyapa, vas-y vite. Vas-y et ne reviens plus jamais. Mais non. Ferme-la. D'ailleurs, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, toi? Regarde-moi la personne que je veux aider. Tu veux m'aider? J'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Prends ton aide et rentre avec chez toi. Va-t'en. Oui, arrête-moi ça. Qui a besoin de toi? Arrête-moi tes sa bêtise, idiote. Tu me racontes de n'importe quoi là. Et tu n'as même pas une belle tête. C'est quoi ça? Sors. Arrête-moi ça. Sors de l'avancée de mon père maintenant. Je suis venu t'aider et tu me racontes n'importe quoi. Et regarde, tu n'as même pas une belle tête. Papa? Pour qui tu te prends, toi? Tu ne m'entends pas. Va-t'en. Je suis juste venu t'aider. Tu n'en fais pas part avec ton aide. Eh bien, j'irai. Qu'est-ce que tu penses? Je m'en vais, qu'est-ce que tu penses? J'étais de passage, je suis venu juste t'aider. Regarde-moi cette garce, idiote. Mon garçon, comment tu vas? Je suis maintenant un roi. Je sais que tu es roi, mais tu ne dois pas oublier une chose. La poule n'oublie jamais ses enfants. Oh non. T'es comme un fils pour moi. Soyez les bienvenus dans mon palais. Merci beaucoup. Dois-je demander à l'un de mes gardes de vous apporter du cola? Non. Ce n'est pas tellement nécessaire. J'ai bien mangé avant de venir ici. Oui. Agero Namanoka Bututu. Nous étions venus dans une mission et je me suis dit de venir... ici au palais et présenter nos salutations au nouveau roi. Merci. Je suis particulièrement heureux pour cette nouvelle position. Et je suis impatient de venir te voir accomplir notre accord avec ton défunt père Benson. Oui. Maintenant que tu es devenu roi, je crois qu'il est temps pour toi de te trouver une femme. Oui. Makafo dom. Kafo dom. Yakulu. Yakulu. Oui, c'est ça. Les essuyeuses ont connu un petit problème, mais cela vient d'être arrangé. Je suis désolé. Tony. Votre Altesse. Puis-je te poser une question? Oui, Votre Altesse, je vous écoute. Penses-tu que je devrais épouser Princesse Egoma? Votre Altesse, je pense que cette décision est totalement la vôtre. Non, arrête. Mais je veux dire, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu es pour moi comme un frère de famille. Tu sais, tu es mon garde le plus fiable. Donc, ton opinion compte pour moi. Que penses-tu? Tu penses que c'est une décision sage d'épouser cette princesse? Tu penses que c'est sage? Non, mon prince. Ouais. Merci. Merci, Tony. Je vous en prie. Tu vois, je veux juste que quelqu'un me donne une seconde opinion. Je sais que quelque chose ne va pas bien. Je savais qu'elle n'est pas juste ce qu'elle prétendait être. Merci. Merci. Waouh.
Merci. J'ai besoin de quelqu'un qui sera d'accord avec moi. Je parle à ma conscience. Je dis, est-ce que tu es juste? Tu vois? Merci, Tony. Je suis content de vous avoir été utile. Je t'en prie. Merci, mon voisin. Amobi, arrête la voiture. Je dis arrête. Laisse-nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas confortable à la dernière réaction du prince. Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est prêt à s'engager dans le lien de mariage et de prendre soin de notre fille. Je pense que le vrai problème ici est notre fille. Elle n'a pas tellement bien fait son travail en faisant de lui un ami. Elle est orgueilleuse et trouve l'idée de l'obéir inconcevable. Bien. Elle m'a dit que le prince n'a pas le sens d'amitié à chaque fois qu'il essaye de l'approcher. Elle est une femme. Et elle sait comment séduire un homme pour qu'il la satisfasse. Elle devra d'abord faire en sorte qu'il devienne son ami avant que quoi que ce soit ne fonctionne entre eux. C'est un peu ça. Mais pourquoi tu ne la laisses pas faire le choix d'un homme qui sera dans l'avenir son mari? Femme, femme, ne m'énerve pas. Elle lui a été promise, alors qu'il en soit ainsi. Le roi Obika n'a pas d'autre choix que d'épouser ma fille et va l'épouser au moment opportun. Tu oublies que l'amour, c'est le cœur. Si au moins elle avait réussi à faire ce que je lui avais demandé. En passant, où est-elle? Je ne sais pas. Il faut absolument que je lui parle. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Trouve-la-moi. Votre Majesté. Oh, Amara, comment vas-tu? Votre Majesté, ça va bien. Ok. Votre Majesté, aujourd'hui c'est mardi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je me suis rappelé que je chante pour vous chaque mardi. Mon père va venir avec moi parce qu'il est allé vendre son huile de palme. Je suis vraiment désolé, ok? J'ai totalement oublié qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Oh. Laisse-moi me précipiter pour aller quelque part. Je serai de retour. En tout cas, faisons ça demain. D'accord, votre majesté. Prends soin de toi, ok? Merci, votre majesté. Désolé pour cette déception. Merci. D'accord. Bye. Je suis allé à cet endroit aujourd'hui, mais on me dit toujours la même chose comme on disait avant. Igwe ni gadia,
Mais tu vois de quoi je parlais. Pour qui elle se prend, elle? Tu vois ce que je disais? Elle ne sait même pas nous saluer. Mec, j'en ai de trop. Et Bouka, regarde, je vais me charger de cette bâtarde. Je les jure devant Dieu. Elle verra de quel bois je me chauffe. Tu verras. Tu as toujours un faible pour elle, hein? Tu ne peux pas enlever tes yeux sur elle. Veux-tu fermer ta bouche? Ferme ta bouche. De quoi tu parles? Qui t'a dit que j'ai un faible pour elle? J'en ai plus, oh. Et Bouka, regarde, en ce qui me concerne, je vais juste m'en charger d'elle. Et rien de plus. Es-tu Arrête sûr? De dire n'importe quoi. Hé, hey, finalement. C'est quoi, ça? Non, je ne crois pas. Finalement. Toi, qui ne te connaît pas? Hé, hey. Pourquoi ne ferais-je pas ça quand elle ne sait même pas me saluer? Quelle âge se faire foutre? J'essaie juste de voir si l'amitié peut fonctionner entre nous deux. Juste le temps pour moi de découvrir qu'elle a une bouche entre ses jambes. Incroyable mais vrai. Une bouche. Et je te dis, entre ses jambes. Il n'y a pas moyen d'y pénétrer. Mais oui, non? Hé, hey, je n'avais jamais vu ce genre de choses avant. Oh. Une bouche entre les jambes. Et fais attention à ce que tu dis. C'est juste que j'ai promis de me charger d'elle dans ce village. C'est pourquoi je te dis ce que j'ai dit. Alors ça ne te donne pas le droit de commenter comme tu le fais. Ah non, 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 je jure devant Dieu. Tu risques de me prendre mal. Malgré tout ça, amoureux. Je l'aime toujours. Amoureux. Hein? Regarde-toi, non? Je t'avais averti. Je t'avais déjà averti. Maintenant, regarde-toi. Regarde même le pantalon que tu portes.
de tes rencontres avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le roi, bien sûr. Tu veux jeter l'éponge? Amogé, as-tu oublié qu'il est déjà fiancé? Fiancé? Non, Amara, tu dis fiancé? Ce n'est pas toi la même personne qui m'a dit comment le roi déplorait du comportement de la princesse. Cela n'enlève pas le fait que la princesse soit la fiancée du roi. Qu'il le veuille ou pas, il doit l'épouser. La seule chose est que le roi va vivre le reste de sa vie dans la tristesse. Oh, Amara, pourquoi tu as toujours des réactions pareilles? Écoute, Amara, tu peux faire en sorte que cela n'arrive pas. Ah. Oui, n'es-tu pas une femme? Mogé, lui est roi et moi je suis ignoble. Quel lien y a-t-il entre un roi et une ignoble? Ok, si tu dis ainsi, puisque tu es loin de là, Amara, puisque tu n'es pas intéressée, je vais en saisir l'opportunité. Tu es libre, je ne t'ai pas empêché. Oui, c'est vrai. Tu me surprends deux fois, hein? Mon cher roi, Easy Boy, il est maintenant assis sur son véritable et légitime trône de pouvoir. Tu ne sais pas à quel point j'étais heureux quand j'ai appris que tu as été couronné. Chai! Chai! Jima, je suis censé être content. Mais je suis très triste. Pourquoi? Je viens de découvrir la raison. Je vais dire la vraie raison à cause de laquelle mon père m'a fiancé. Cette stupide princesse. En fait, il a emprunté une somme importante auprès de son père. Quoi? Qui est-ce qui te l'a dit? Ono l'a fait. J'ai failli la forcer de me le dire, sinon il ne le fera pas. Tu vois? Et j'ai été vraiment choqué quand j'ai appris cela. J'ai été choqué. Hey! Jima, je suis très triste. As we plan, but we have to keep on moving. No one is born to suffer. No one. Everyone is on their own. Every man. Everyone is on their own. On your good man. Yeah.
As day comes, night we come. Ah, papa! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis blessé par mes gardes. C'est très profond. Donne-moi de l'eau chaude. Non, non, papa, ce n'est pas une plaie de l'eau chaude. Laisse-moi chercher un guérisseur pour toi. L'herboriste? Oui. As-tu oublié qu'on n'a pas assez d'argent pour payer l'herboriste? Papa, tant qu'il va t'aider à guérir, pourquoi garder l'argent? S'il te plaît, nous allons nous en sortir. Ah, c'est très sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Qu'est-ce qui m'arrive juste? Hein? Ça fait juste 3 jours. J'ai été mordu par un scorpion. Et maintenant, ceci. Hein? Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Papa, rien ne t'arrive. C'est une chose normale qui peut arriver à n'importe qui. S'il te plaît, tu ne peux pas t'inquiéter juste à cause de ça. Je vais pas prendre un guérisseur pour prendre soin de ton papa. Ok? Je reviens. T'inquiète, papa. La vie est vraiment mystérieuse. Osioma, Aranoumé. Arrête! Arrête! Qu'est-ce que... Tu ne joues pas bien aujourd'hui. Que s'est-il passé? Rien du tout. Rien du tout, mon roi. Tu sais que c'est un mensonge. Mais non, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé? Mon père... Mon père était allé seul à la ferme et il s'est blessé. Oh mon Dieu, tu n'as pas besoin de venir alors. Tu devrais rester à la maison et prendre soin de lui. Le pauvre. Est-ce que tu lui as cherché des médicaments? J'avais appelé les guérisseurs avant de sortir. Ok. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital, ok? Ça va. Mon roi, vous voulez partir avec moi? Viens avec moi. Mon roi, bienvenue chez moi. J'espère que tout va bien. Oui, papa. Votre Majesté, j'espère que ma fille n'a pas fait quelque chose qui vous énerve. Non, pas du tout. Je vois ton pied. Elle m'a parlé de ta blessure. Je suis vraiment désolé pour ça. Pourquoi la cour est si sale? Mon prince, je vais vous prendre une chaise. Non, c'est pas nécessaire. Ça me va comme ça. Odwego, je suis désolé, ok? J'ai été surpris quand elle m'a dit que tu as subi une si grande blessure. Et à cause de la relation que vous avez entretenue avec mon père et moi, donc j'ai pensé que ça serait gentil de venir vous voir et vous dire désolé. Et de là, on peut t'amener à l'hôpital, ok? Non. Votre Majesté, non, non. L'herboriste a commencé le traitement et il m'a promis que dans quelques jours, je serai guéri. Ah, on aura besoin. Vous le voyez, vous? Oui, oui, mais on aura besoin d'un docteur pour voir ce que l'herboriste a fait et pour être sûr qu'il te dispense un traitement adéquat. Allez, va déposer ça à l'intérieur, reviens. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Je ne vous comprends pas. Comment ça votre roi peut-il sortir et que vous ne soyez pas au courant de l'endroit où il se rend? Il ne nous a pas dit où il partait. S'il vous plaît, vous nous punissez injustement. Qu'est-ce que tu viens de dire?
J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Je te reviendrai. Où sont les servantes? Dites-moi, où sont-elles? Où sont les servantes? Allez, approchez. Ne faut rien. Dites-moi, où est votre roi? Il est sorti, ma princesse. Comment vous venez juste de m'appeler? Comment venez-vous de m'appeler? Maison, adressez-vous à moi comme à votre reine. Désolée, ma reine. Espèce de folle. Je sais que votre roi n'est pas là, il est sorti. Mais je veux savoir où est-ce qu'il s'est rendu, l'endroit. Nous ne savons pas là où il est parti, ma reine. Nous ne savons pas. Je ne sais vraiment pas ce que vous faites dans ce palais. Hormis le fait de manger et de dormir. Sortez de ma vue! Disparaissez! Regardez-le. Quant à vous deux, je reviens. Dégage! As day comes, night we come, so it's rain and sun. Imokwa time for it's fun, time for everything. No kwetu buka monaka, no kwetu buka monaka. Ça va aller beaucoup mieux, ok? Merci beaucoup, votre non, majesté. Ça va aller, ok? Prends soin de papa, ok? D'accord. D'accord, au revoir. As day comes, night we come, so it's rain and sun. Imokwa time for it's fun, time for everything. No kwetu buka monaka, no kwetu buka. Mes anciens, on doit les lui rappeler. On doit faire un effort pour les pousser vers cette direction. Et que pensez-vous au fait que le roi ne pense pas encore dans cette direction? mes anciens, je pense que ce que Pitié Akache est en train d'essayer de dire est ceci. Nous devons vite agir. Parce que vous savez comment les jeunes d'aujourd'hui se comportent, oui, et la façon même dont ils réfléchissent. Tout à fait. Vous serez surpris qu'ils ne pensent pas au mariage maintenant. Mmh. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait l'affronter avec ça maintenant. Donnons-lui encore un peu de temps. Peut-être qu'il cherche, mais il n'a pas encore trouvé. Itcha, je ne suis pas d'accord avec toi. On doit les lui rappeler que nous n'attendons que ça de lui. Y a-t-il pas des jolies filles dans notre royaume? Hein? On doit aussi lui rappeler que sa royauté n'est pas complète jusqu'à ce qu'il aura une femme. Ichi, tout à fait. Tu as notre raison. Peuple mérite un roi complet. Tu as raison. Oui. Oui. Je pense qu'il a raison. C'est nécessaire. Tu as complètement ouais. raison. Ouais, c'est ça. C'est raisonnable. Prends ça. Achète de la nourriture à ton père et tout ce dont il a besoin, ok? Laisse-moi t'accorder une semaine de congé afin que tu prennes soin de lui, ok? Merci beaucoup. Merci énormément, mon roi. Qui suis-je? Qui suis-je, mon père et moi, pour nous montrer cette gentillesse? Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai déjà dit, toi et ton père,
aviez prouvé que vous êtes le digne serviteur de ce palais. Vous avez établi une bonne relation avec mon défunt père. C'est tout à fait loyal. Donc, je vous considère comme ma responsabilité. Merci beaucoup, mon roi. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Sarah, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu peux partir maintenant. Merci beaucoup, mon roi. Jima. Oui, Igwe. Je suis certain que les anciens auront bientôt cette discussion avec moi. Mais je ne sais pas quoi leur dire. Mais c'est très simple. Tu n'as qu'à leur dire que tu ne vas pas te marier avec la princesse. Que tu ne l'aimes pas du tout. Est-ce que je me trompe? Comme si c'est facile. Ce n'est pas si simple. Tiens-toi prêt. Par ce garde ne tombe pas aussi facilement que ça. Il doit y avoir un moyen. Ouais, bien sûr. Il doit y avoir une issue. Oduego, si tu me demandais, je te dirais que tu es chanceux. Comment? Il est de la couleur. Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète pas. Tu me demandes comment? Si notre roi te porte dans son cœur, cela veut dire que les choses sont claires pour toi. Oui. Clair pour moi, comment? J'ai pas compris, comment? C'est clair pour moi, comment? J'ai pas compris. Ta fille, bien sûr. Oui. Ou tiens-tu toujours compte de l'histoire de Bitonta Korambou? Hein? Onyeze, je valorise et respecte toujours mon amitié avec le roi quand bien même il est mort. Je sais. Je ne peux jamais aller contre ses arrangements pour l'avenir de son fils. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Mais laisse-moi te dire. Utilise ton cerveau. Utilise-le pour savoir que ce n'est pas possible que notre roi puisse épouser cette arrogante fille de Ibwe Nyeka. Oui, elle n'a pas été faite pour lui. Assez. Assez. Arrête d'aller contre la décision des dieux qui étaient présents le jour de leur engagement et ils avaient donné leur approbation. Je ne suis pas intéressé par le trône et ma fille non plus. Ce que nous avons est assez pour nous. Nous nous contentons de ce que nous avons. Odego, j'ai dit ma part. Oui. T'as donné ton opinion. Vas-tu maintenant prendre la cola? Vas-y, sers-toi, non? Merci. Dis-moi, Rita, est-ce une blague? Attends un instant, attends une minute. Ne me dis pas que c'est l'une de tes blagues parce que je ne suis pas d'humeur. Ma princesse, je ne peux pas blaguer avec ce genre de choses. Je l'ai vue. Au fait, elle et son père ont en train de flatter le roi. Oh, cette idiote. Tu ne sais pas combien cette fille m'énerve. Je la déteste beaucoup. Cette idiote a été présentée à mon prétendant avant le décès du roi. Comment ose-t-elle? Ma princesse, ils ne sont pas seulement de chantres. Ils ont aussi éloigné le prince de toi. Voilà pourquoi le prince ne te regarde même plus haut. Rita Chambré, s'il te plaît, connais-tu au moins l'endroit auquel je peux trouver cette aliénée et sa fille? Connais-tu leur adresse? J'ai besoin de leur donner une très bonne leçon. Oui, je crois que je connais les lieux. Est-ce que tu peux me conduire? T'inquiète, je vais t'emmener là-bas. Ne me demande pas de me calmer, Rita. J'ai besoin de me rendre là-bas tout de suite. T'inquiète, je vais te montrer là-bas. Kenyon, qu'est-ce qu'il y a? Kenyon, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi même? Ah,
C'est quoi le problème? Attends, qui es-tu pour me poser une telle question? Oh, écoute, es-tu malade? Chidi, écoute, si tu n'as pas un truc raisonnable à me dire, s'il te plaît, libère mon chemin. Je dois aller préparer à la maison. N'ose pas me tourner le dos. Ferme ta bouche et laisse-moi parler. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens vraiment dans ce village? Hein? Qui es-tu pour que je ne t'arrête pas pour te poser de questions? Pourquoi ne peux-tu pas juste comprendre que je t'aime et je m'inquiète pour toi? C'est si difficile que ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'amour s'efforce maintenant pour l'avoir. Tu dis je ne t'aime pas et je n'ai rien à faire avec toi. Arrête de me déranger, oh. Je le répète encore, arrête de me déranger, je t'en prie. Non, je ne laisse pas tranquille, parle-moi. Qui est cet homme? Non, il faut que tu me dises qui est cette personne. Qui est cette personne pour que tu ne puisses pas me parler et m'entendre? Moi, un homme respecté dans ce royaume. Laisse-moi partir, tu crois sur moi. Alors ça fait quoi? Je suis un homme. Tiens. Tu vois ce que je n'aime pas chez toi. Tu insultes les gens comme bon te semble. Mais cette fois-ci, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Problème, Tu dis toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Tini? Pourquoi tu me cherches des problèmes, hein? Pourquoi tu cherches des problèmes? Tu cherches quoi dans ce village? Tu as de la chance. Si je ne t'ai pas intéressé à ta fleur là, si je ne t'ai pas intéressé à ça, le sang allait couler. Tu vas me voir aujourd'hui dans ce village, Tini, je te jure. Tu vas me sentir aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Ouais, comme ça. Écoute, laisse mon vêtement. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, l'imbécile a fura si je n'agis pas maintenant. Laisse-moi aller le tuer maintenant et le décapiter. Papa, le tuer va te causer de troubles. Ça m'est égal. Tu lui as donné le droit de toucher ma fierté et ma seule fille avec ses mains sales. Qui ai-je offensé dans ce village? Qui ai-je offensé? Papa, tu sais que tu m'as fait toujours ça depuis tout ce temps? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Oh. Es-tu sérieuse? Amara, tu ne me l'avais pas dit. Amara, je ne suis pas content. Je vais lui montrer aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de toucher ma fille comme ça. Non, papa! 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 Ah, Chima, je souffre. Igwe! Ce n'est pas facile de porter ça. Mon roi. Ce n'est pas facile de porter ce que je porte là. Regarde ton pote. Bien. Ton pote a l'air d'un vieux surhumain. Ne t'en fais pas. Bien. Ça serait mieux de rassembler toutes les belles filles de ce village et de sélectionner la fille de ton choix. J'aurais vraiment aimé faire ça. Mais tu sais que cela va attirer l'attention de cette stupide gamine, cette princesse et son père. Je veux un mariage privé et je ne pense pas que cela sera possible. Tu sais, ma préoccupation est... Je ne sais pas si les anciens me supporteront si je fais ça. C'est ça ma préoccupation. Je me demande s'ils me supporteront. J'en doute. Mais tu dois les informer de tout ce que tu penses à propos de tout ça. Excuse-moi, mon roi. Je crois que je ferais mieux de partir d'ici. Excusez-moi. Comment oses-tu ordonner mon ami, devant moi, en ma présence?
Est-ce que tes parents ne t'ont pas appris comment respecter les gens? N'essaie plus jamais. N'essaie plus de parler ainsi de mes parents. Obika, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu gâches tous les efforts que je fournis pour que nous puissions être ensemble? Pourquoi? Ton caractère. Qu'a fait mon caractère? Sale comme l'enfer. T'es-tu déjà demandé? Pour une fois, pourquoi tu viens toujours chez moi et moi pas chez toi? Et pourquoi je ne viens jamais te voir? Peut-être, si tu t'es posé ces questions, tu cesseras de te vendre, mon cher, en courant derrière un homme. Au cas où tu aimerais le savoir, je me suis aussi posé la même question. Et ça fait quelques jours depuis que j'ai trouvé la réponse. J'ai toujours cherché à savoir pourquoi tu me détestais. Pourquoi tu me hais beaucoup? Pourquoi ma présence t'énerve-t-il? Et la réponse, c'est cette fille, cette musicienne. C'est elle mon problème. De quoi parles-tu? Tu essaies de faire semblant comme si tu ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Ou soit tu ne sais pas de quoi je parle. Cette folle, la fille de ces sorciers qui vient souvent dans le palais au nom de la musique. C'est elle mon problème. Cette sorcière te distrait pour que tu ne puisses pas me voir et ne pas me prêter attention. C'est elle mon problème. Donc, tu as finalement ajouté un délirant à ta menace ennuyeuse. Dégoûtante comme princesse. Sors de chez moi. Obika! Obika! Ne crie plus jamais mon nom comme ça dans mon palais. Non! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Désolé. Pose à nouveau tes yeux sur moi, je te donnerai une baffe. Désolé. Qu'il remercie son Dieu que je n'ai pas vu à la maison. Sinon... Papa, nous ne pouvons plus aller nous plaindre chez Ivoué. Aussi longtemps qu'on a déjà accusé chez ses parents. Pas question. Pas question. Je dois le rapporter à Ivoué et même à la police. Et si t'avais blessé lorsqu'il t'a attaqué? Hein? Je dois l'arrêter de te harceler. Papa, je ne pense pas qu'il aura encore le courage de s'approcher auprès de moi. Salut, ma princesse. Ma princesse. Oh, peu importe. Donc c'est toi l'idiote. Je vais dire l'idiote illettré qui essaie de détourner l'attention du roi envers moi, toi? Vraiment? Ma princesse, de quoi allais-tu la faire? Tais-toi! Qui es-tu pour parler pendant que je parle? Allez, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venue d'ici pour perdre mon temps avec toi. Je ne veux plus jamais vous voir. Toi? Ainsi que ton saleté de père au palais à nouveau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Au cas contraire, vous n'apprécierez pas du tout ma réaction. Mais, ma princesse, nous allons juste là-bas sous l'ordre du prince. Tu la fermes toi aussi. Excuse-moi. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je te demande pardon. Un bouc comme toi parle pendant que je parle? Fou! Stupide! Je ne veux plus jamais voir vos sales pattes au palais! On y va! Hi! 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 Oh, si yomara nubasu! Lela! Lali! Lo! Wa! Sérieusement,
Maman, tu ne vas pas croire ce que je veux. Elle n'a même pas essayé de la nier. Je veux dire, c'était écrit sur elle. Ça se voyait clairement. Cette fille est la raison pour laquelle Obika ne m'a jamais remarqué. Il ne m'a jamais porté d'attention depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, Obika a un plan d'être remplacé par une autre fille. Ces garçons sont allés vraiment très loin. Ne te dérange pas, maman. J'ai déjà prévenu cet idiote illettré qui ne fait que tourner autour de mon prétendant. Si jamais je l'aperçois tout près du palais de mon prétendant, je lui ferai la peau. Je lui ai dit ça et mon message a été très clair. Bien, t'inquiète. J'en ferai rapport à ton père dès qu'il sera là. Il doit savoir ce que ces garçons fous et ingrats essayent de faire derrière notre dos. Obika. Papa, je ne veux pas que quelque chose arrive à toi ou à moi. S'il te plaît, O. Amara. Papa. Je ne peux pas m'éloigner du palais. Le roi a besoin de moi. Au fait, le roi a besoin de nous. Papa, cette princesse est désespérée et elle est très très méchante. Elle est capable de tout. Tu prends ces menaces au sérieux? Bien sûr. Papa, son père est un roi très très riche. S'il te plaît, évitons-les. Évitons aussi le roi. S'il te plaît. Le roi ne sera pas content de nous. Crois-moi. Il enverra ses gars pour venir me chercher. Si c'est le cas, nous pouvons chercher quelque chose à leur dire. Nous devons vraiment nous éloigner du roi. Papa, s'il te plaît, ça c'est question de la vie et de la mort. Nous soyons loin d'eux. Ça fera que nous n'allons plus être tout le temps avec le roi. Comme ça, le roi sera à elle-même. S'il te plaît, évitons-les. Le roi ne la regarde même pas. Elle est si stupide pour penser que le roi serait très énervé contre elle s'il apprenait qu'elle nous a menacés. Au fait, je pense que je dois aller rapporter ça au roi. Papa. Surtout pas de déranger la princesse, ok? Donc vous deux devez garder un œil sur elle. À chaque fois qu'elle est ici, faites un effort de prêter une sérieuse attention sur elle. Tous ses mouvements, surveillez-les. Soyez très vigilants, ok? Oh, Tony. Retournez à vos places, mon roi. Viens. Mon roi. As-tu vu le guitariste et sa fille récemment? Non, mon roi. Ok, envoie-leur quelques mots de ma part. Essaie de voir s'ils se portent bien. C'est d'accord, mon roi, mais pourquoi ne pas rester? Laissez-moi aller les voir pour savoir ce qui se passe. Mieux, Tony. Tony, je veux que tu ailles toi-même. Et assure-toi de voir comment ils se portent, ok? Et dis-leur que je vais les voir. Ok, mon roi. J'y vais tout de suite. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, mais tu ne voulais pas m'écouter. Ebuka, il manquait un abonnement ici. Au moins, on va t'agréer à ta main que t'en es où t'es. Non, non, t'as c'est un moment, Miriam.
Elle est partie m'accuser chez mes parents. Je les jure devant Dieu, je vais montrer à cette fille ce que je veux. Que veux-tu que je dise? Hein? Qu'attends-tu de moi? Elle devrait même t'accuser au palais. Même à la police. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'est égal. Écoute, je vais me charger de cette fille dans ce village. Même mes parents ne m'ont jamais grondé comme cette fille-là me gronde. Il n'y a que cette idiote de fille qui me gronde. Je les jure devant Dieu. En tout cas, si je m'occupe pas d'elle, appelez-moi bâtard. Chède, laisse cette fille-là tranquille. Hein? Laisse-la tranquille. Je t'avertis, oh. Elle ne mérite pas ça. Hein? Tu te mets toi-même en danger, oh. Rappelle-toi, elle se connaît avec le roi. Tu te mets toi-même en danger. Si tu continues à la voir, tu vas te mettre en danger. Hein? Comporte-toi juste comme si de rien n'était. Jamais. Hein? Ça fera quoi? Jamais, Bouka. C'est quand même ton problème. Jamais. Tu dis jamais, hein? Nkankamou, mémé. Tu vois cette fille? Tu vois cette fille? Je vais me charger d'elle. Et elle saura que je reste le tiédé. Que j'ai toujours été dans ce village. C'est quand même ton problème? C'est devenu finalement une obsession pour toi. Occupe-toi de tes affaires. Écoute, mon cher, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est que je sais que cette fille-là est insolente et que je dois me charger d'elle. Et tout ce que tu dis là, moi je m'en tape. Et je suis tellement en colère tel que je te parle. Moi, je un grand homme comme toi, mais tu te comportes comme un petit garçon. Votre Majesté, vous ne m'avez pas appelé avant de venir. C'est surprenant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui te donne le courage de me prendre pour un fou? Réponds-moi. Garçon, réponds-moi. Je ne comprends pas. Je suis sûr et certain que ton père t'a bien dit comment tu étais promis à ma fille il y a plusieurs années passées. Au cas où il ne te l'a jamais dit, laisse-moi te le dire maintenant. Tu as été promise à ma fille. Et il est temps pour toi de venir accomplir cette promesse en faisant d'elle ta femme. Okakaraka. Je remarque une menace dans votre voix. Puis-je savoir pourquoi? Exact. Parce que tu as été hostile et offensif à ma fille. Parce qu'en réalité, tu es en train de me prendre moi et ma famille pour des fous. Et surtout, tu es en train de tromper ma fille. Oh oui, elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit. Comment tu es en train de sortir avec une certaine fille comme ça? Qui chante avec son père? Ma fille l'a d'ailleurs déjà averti. Et moi, je suis venu t'avertir également. Ne provoque pas la foudre. Vous dites que votre fille est allée avertir Amara et son père? Garde! Escortez-le d'ici. Mais tournes-tu le dos? Mon garçon, qu'est-ce que tu penses faire? Tu me tournes le dos! Ezen dièse! Retourne ici! Oh, quand un fils envoie son père ailleurs, l'aveuglement devient la règle du jour. Et le lézard qui a interrompu la cérémonie de funérailles de son père portera ce corps sur sa tête. Je déteste les proverbes. J'aime les versions. Apprête-toi au pire.